Alors, sont associés au système ABO. شكون من اللي تعمل سيستم ABO صحابه يشبهوا له معناتها اليوم alors anticorps sont du groupe IgM. Alors, grand SE, petit SE. Oui. Rhesus. Non. Quel? Non. Lewis. Oui. Grand H, petit H. Oui. D'accord? Très bien. Sont considérés comme anticorps naturels réguliers. Lewis, certes. Oui. Ça va. Et elle sort de l'ABO. Alors, les anti-D. Non, déjà c'est un IMA. L'anti-quel? C'est un IMA. L'hémolysine? Non. L'anti-H? Oui. L'anti-H, vous dites, Wahadha, il m'a dit, je pense que vous êtes en train de dire, il doit me préciser l'anti-H par jour. D'accord? Si c'est un autre qu'un anti-H d'un Bombay? L'anti-H, c'est un sujet Bombay. C'est un naturel et un régulier. D'accord? Mais pas anti-D, le HAC, anti-H, vous dites, voilà, c'est une proposition face à moi. Mais dis-je, quel est l'anti-H de Bombay ou l'île du Chimane? Anti-H, tu cours, Marie, ça va faire. D'accord? Alors, relier, précise, anti-B, de type IgM, d'un sujet A. C'est une hémolysine, ça. Ah, quand elle est? Ça va faire IgM, il a précisé, donc c'est une IgM, donc c'est un naturel. D'accord? Alors, les anticorps naturels régulés dans le système ABO sont chez l'adulte sain présent en l'absence de l'antigène correspondant. C'est la définition. Apparaissent après allo-immunisation. Non. Non. Sont présents chez le nouveau-né. Non. Non, il doit atterrir au bout d'une année. Allez, une année, avant. Maturation. Genre, ils sont présents. Oui, ils sont présents, mais quand ils sont exclusivement présents, faites-nous voilà obligatoirement présents. Quand ils sont obligatoirement présents chez le nouveau-né, les femmes des bébés, ils voient les anticorps ne sont pas encore matures. On a une maturation postnatale. Mais quand ils sont présents, ça ne m'engage à rien, ils sont présents. Oui, ils sont présents. Faites-nous, ça peut être présent ou absent. Mais ma hasselkst kelma exclusive. Femme, je n'en sais pas. Donc, sont présents, oui, des bébés, ils voient avec leurs anticorps, il n'y a pas de souci. Sont exclusivement présents dans le plasma. Les antigènes, là, anticorps, oui. C'est oui. Alors, ils sont hémolysants. Mais là, les gens qui contrôlent l'outil, vous tenez marqué, nous, papa, qui mène en l'ABO. Qu'elles nous mangent hémolysants. Ils sont hémolysants. Ils sont agglutinants et ils sont hémolysants. Mais là, les nez, je ne sais pas, quand ils ont des agglutines, ils ont des agglutines. Je ne sais pas, les thromboses, vas-y. Mais là, après, on a fait des hémolyses. In vivo, ils hémolysent. In vivo, on adore le complément. Mais à la cité, il hémolyse là, c'est un autre complément. Les anticorps IMA du système ABO sont constamment présents en l'absence d'un antigène correspondant. IMA, on les hémolyse. Ils apparaissent après allo-immunisation. Oui. Ils ont un optimum thermique à 37. C'est des IMA, les IMA collent optimum à 37, c'est oui. C'est oui, tu as les anticorps IMA ABO. D'accord? Ils sont de classe IgM? Non. Ils sont hémolysants? Oui. Femme, on dit que IMA et que tu as avec IgG. Les antigènes de groupe sanguin ABO sont exclusivement situés au niveau de la membrane des globules rouges? Non. Sont le produit primaire des gènes? Non. Sont des glycoprotéines? Oui. Sont des substances immunogènes? Ben oui. Sont spécifiques de l'espèce humaine? Non. Test de Combs direct. Ils détectent des anticorps fixés in vivo sur les globules rouges. Oui. C'est la définition. Détectent des allo-anticorps sérés. Non. Il est RAI, le Combs indirect. Est pratiqué chez le père en cas de suspicion d'anémie hémolytique auto-immune du nouveau-né. Non. Est pratiqué chez le nouveau-né en cas de maladie hémolytique du nouveau-né. Oui. Est pratiqué chez la mère en cas de maladie. Pour attendre la petite toujours. Alors, je suis dit après. Alors, c'est la recherche d'agglutinine irrégulière après anticorps permet de détecter la présence d'anticorps IMA dans un sérum. C'est la définition. Nécessite une identification de l'anticorps en confrontant le sérum du patient à un panel d'hématies de tests gros de phénotype connu. Oui. C'est la définition. Est indiqué chez les polytransfusés. Oui. Oui. C'est le seul moyen de suivi d'une femme enceinte à
antécédent d'allo-féminisation plutôt maternelle. D'après, il y a le seul, il ne peut pas être le seul. Forcément, il y en a d'autres. D'accord. Peut-être positif, les RAI, peut-être positif dans les anémies hémolytiques auto-immunes. Oui. Ben oui. Ben oui. Pourquoi pas? Puisque femme a un anticorps, je peux le détecter dans le sérum. Au cours de la maladie hémolytique du nouveau-né par allo-immunisation résistée, la mère doit être résus plus et le père résus moins. Le COMS direct chez le nouveau-né est positif. Oui. RAI est positif chez la mère. Oui. Oui. Test de COMS direct est positif chez la mère. Non. Non. L'immunisation anti-D, elle est moindre s'il existe une incompatibilité ABO. Oui. Oui. L'épreuve de compatibilité transfusionnelle au lit du malade est un acte médical obligatoire. Oui. Consiste à mettre sur l'âme une goutte de sang du patient et une goutte de concentré de globules rouges de la poche. Non. Voilà. Et non. Permet d'éviter un accident transfusionnel immédiat. Oui. Permet de dépister une incompatibilité dans le système rhésus. Alors, on est au lit du malade, on ne peut détecter que les ABO. Non. Quelle ABO? Donc elle ne peut pas détecter l'incompatibilité rhésus. Elle peut être remplacée par un test de compatibilité au laboratoire. Non. Alors, parmi les accidents suivants, quels sont ceux qui sont immédiats? Alors, l'ABO, incompatibilité ABO, c'est de l'immédiat, réaction allergique. Immédiat, présence d'agglutinine irrégulière. C'est du retardé. Choc endotoxinique. Immédiat, hémochromatose. Du retardé. Alors là, vous allez choisir parmi, donc, dans ma colonne. Alors, vous avez Staglou, la dame, elle est, monsieur, je ne sais plus. Elle est A négatif, elle est grand C moins. Grand E moins, quel moins? Alors, l'oulénie, première position, elle est A négative, grand C moins, grand E moins, et quel moins? Donc là, vous voyez que c'est pile poil. C'est A positif, non inerte. Elle est déjà résus positif ou résus moins. Donc, B mat tadèche. La proposition C, A négatif, grand C moins, grand E moins, mais là, j'ai un quel plus. Donc, elle est plutôt falcon. Proposition D, c'est du O négatif. Bon, O négatif, il y a un grand D moins. Un dichement, je suis là, grand C moins, mais là j'ai du E positif là-dedans. Tu dois pas faire E positif elle-même. E plus, ou on y a un E moins. D'accord? Ou le E, elle n'est pas faire la B ou B. Ah, là, voilà, quand même. Citer deux tests immunohématologiques qui permettent de détecter des allo-anticorps transfusionnels. Une RAI, ouais. Je parle, je vais. Groupage fait que groupage il sert à détecter des anticorps. Non. Phénotypage il sert à détecter des anticorps. Non. Très bien, c'est le cross-match. Cross-match au laboratoire, quand c'est positif, ça veut dire qu'il y a un anticorps. Donc les deux tests, c'est la RAI et le test d'ordre de compatibilité au laboratoire. C'est une question de barre de c'est une difficulté de groupage du travail. Tableau les barres, d'accord? Okay. Quels sont les moyens de prévention de l'allo-immunisation pédomaternelle contre l'antigène D après l'accouchement? C'est l'injection d'anti-D dans les 72 heures après l'accouchement. Hein? Parfait. Qui met Kamalich, la condition sine qua non. Si elle a la RAI de la dame est négative. Si la RAI de la dame est négative, on dirait la positive, ça ne sert à rien. Citer deux situations où la recherche du DU elle est indispensable et impérative. Pas trois, c'est vraiment borderline, c'est pas évident pour moi. Partez chez l'objet DU. Obligatoire. C'est obligatoire les donneurs de sang. Sur don de sang. Ou en bas, je connais l'objet DU. La femme. Enceinte, un dimanche. Résus négatif. D'accord? Bon, allez, je t'ai obligé de le dire, résus négatif, comme je le fais début. Pour être sûr, je ne t'abarre pas, je ne t'abarre pas, dans tous les cas, je ne t'abarre pas, mais sur le rythme de surveillance, je ne t'abarre pas une femme résus négatif qui peut t'abarre une femme résus positive. D'accord? Maintenant, si elle est confirmée résus négatif, c'est qu'elle va avoir le suivi à 3 mois, 6, 7, 8, 9, rattache l'accouchement. Ben, ou troisième, admettons que la dame est elle, elle est résus négative, d'accord, confirmée, DU négatif. D'accord?
tous les années comme elle le dit. C'est sans bébé à elle. Une fois, il te l'a dit. Il te l'a dit, on a les groupes aux réseaux négatifs, mais t'inquiète, plutôt les ouais, négatifs, fait, fait, okay. Non. Oh, je dois confirmer. Je dois être sûre. Donc, le sans bébé à elle, le bébé d'une femme de groupe sanguin négatif, oh, elle a mal au début. Quel vrai négatif, ça s'arrête là. Quel mot à positif. Positif, vous avez mis à part la volonté. Tantôt. Une femme est hospitalisée en gynéco pour démétrorragie. Elle est transfusée par deux CGR de globules rouges. Au cours de la transfusion, elle présente une hypotension, douleur lombaire et des urines rouges pourtant. Quel est le premier geste à faire en urgence? Arrêter la transfusion, appeler le médecin, garder la voix d'abord, machin chouette. Le mécanisme le plus probable? C'est une incompatibilité à vélo. Quel examen biologique vous allez demander pour confirmer ce mécanisme? Vous êtes sur une incompatibilité ABO. Qu'est-ce que vous allez demander? C'est simple que ça. C'est sûr que vous savez qu'on y va du systématique avec Anne. Mais à autre groupe, comme tu as le patient dans la poche. Et de là, il y a quelle poche tu peux monter malade. Ah, waouh, on est mal calme.